Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Robocraft avec un nouveau robot, un robot que vous avez déjà vu en construction mais que j'ai pu optimiser, équiper comme il faut, c'est-à-dire que j'ai 3 protocycures maintenant à l'avant, chers amis, j'ai farmé, et le méga plasma en dessous qui est là pour compenser le fait qu'il manque une arme méga sur ce robot, et principalement donc qui sera remplacé par un lance-missile. Je n'ai toujours pas de nouvelles de ma tour. Ma tour. J'en ai pas de nouvelles, littéralement, aucune. Nous sommes actuellement le mercredi de la 3e semaine, ce qui veut dire que demain j'appellerai pour savoir ce qui se passe, pourquoi je n'ai pas de news. Voilà. Donc, on reprend. Hop. Et vous allez voir que les proto-seekers, c'est bien sans être bien. Hop, vous voyez, ça verrouille l'ennemi. Les balles s'y dirigent correctement. Et je n'ai déjà plus, vous voyez. Au premier coup, je n'ai déjà plus de méga plasma. Incroyable, hein. Alors. J'entends rien, par contre, c'est marrant. Est-ce que ça vient de mon casque? Ça vient de mon casque, effectivement. Captured. Bon. J'ai perdu un truc, c'est cool. Ok. Oh mais... Ce mec me farm. Dommage que je puisse pas le viser d'ici. Hop. Essayons ça alors. Hop. Normalement, je vais le redescendre. Allez! Allez! Ok, je me fais canarder de partout, c'est génial. C'est la fête! La fête! Merci l'ami! Merci les amis, c'est sympa! Maintenant il faut que je me redresse, ce qui est plus compliqué. C'est moi qui vais me la bouffer. Non ça va. Vais-je redécoller? Oui j'ai redécollé mais je reprends déjà des dégâts. Parce qu'il y a lui à côté. Oh la vache. J'ai pris cher sur ce coup là. Bon. Ça commence très très mal cette partie. Hop, press any key, espace, tiens pour la peine. Tellement je clique. Quoi? Hop. Tu vas le finir, oui. Ok. Bon, ça pue du cul, chers amis. On va essayer de se barrer par là. Quoi? Ok. On va essayer de se barrer le plus loin possible de tout ça. Oh mais merde! Ok, viens par là. Viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Oh mais merde. Un Tesseract, parce que ça s'appelle un Tesseract, chers amis, maintenant, j'ai appris, hein. J'ai appris. Et ça, c'est de la merde. Ça ne devrait pas voler. Enfin bon, écoutez. C'est pas comme s'il y avait une physique dans le jeu, hein. Oui, parce que j'y ai réfléchi, chers amis, au niveau de la physique du jeu. Hein. C'est de la merde. Parce qu'en fait, un hover plus un propulseur n'augmentera pas la vitesse du hover, au contraire le hover va ralentir le propulseur. Encore me faire sniper, je le sens. Et voilà, j'ai encore perdu mon méga plasma. Hop. Voilà, c'est mort. C'est génial. Cette saloperie m'empêche de voler, pardon. C'est véritablement saoulant. Véritablement saoulant. Allez. Je veux repop. Allez. Hop. On y retourne.
temps, je suis que niveau 5 en même temps. Hein. C'est... Faut pas que j'espère trop de choses non plus. Hein. Ok, je vois pas l'ennemi. Ça y est, je le vois. Oh, mais merde! Bah voilà, c'est fini! T'es une saloperie! Ah, mais c'est pas le même que tout à l'heure en plus! Ils en ont deux comme ça! Ok, c'est cool! Mais il va prendre tellement cher celui-là avec son over! Ok! Raté! The middle fusion tower has been captured. Your fusion shield has been deactivated. Your plutonium reactor is under attack. Ça, c'est la chose à ne surtout pas faire, chers amis. Comme vous allez le voir, il a du mal à se remettre en arrière. Voilà. Hop. Et je vais encore me faire canarder. Your plutonium reactor is under attack. Oh putain. C'est saoulant, c'est saoulant, c'est véritablement saoulant, chers amis. Ah là là! Qu'est-ce que c'est saoulant? Quand tu choisis un avion et que t'as un mec qui est anti-air en face, quoi, c'est vrai, véritablement le pire des cas de figure, entre guillemets, hein, si je puis dire. Il faut dire que ces armes-là sont pas du tout efficaces aussi. Oui, là je l'ai tué uniquement parce qu'il y avait un autre mec qui lui tirait dessus, à mon avis. Hop. Si je peux descendre jusqu'au sol, ce serait parfait. Si. Hop, ils l'ont eu. Non. Vas-y, passe. Aïe. Je sais pas d'où ça venait. D'accord, y'a un mec qui nous farm au spawn. C'est génial. Encore un truc qui est censé voler. C'est excellent. Je m'éclate, chers amis, je m'éclate littéralement, hein, j'avoue. Je l'avoue. À vous, Razovski, à vous le nu. Un robot de bip qui pète une durée. Aïe. Je vais encore me prendre un truc dans le nez. De toute façon, partiellement, tu veux voler dans ce jeu, en fait, c'est plus possible. Parce qu'entre les armes téléguidées et les armes qui font des dégâts aux ennemis volants, je suis désolé, tu peux rien faire. L'avantage des ennemis volants, c'est qu'ils étaient capables de tourner rapidement, de se déplacer rapidement. Mais on a supprimé tout ça. On a littéralement supprimé tout ça. Donc je ne sais plus quoi faire. Enfin, j'ai bien une petite idée en fait, mais ça va être très particulier. Et là, pour ce qui est de la game, je ne sais plus quoi faire. Parce que c'est ça au final qui win the game. C'est ces putains de trucs là. Hein. Et voilà, j'ai déjà plus de méga SMG. Hein. De méga, pardon, plasma. Hein. C'est une véritable horreur. C'est une véritable horreur, cet armement. C'est une merde sans nom, littéralement. Hein. Une merde sans nom. Ouais, encore un sac à merde. Je suis désolé, chers amis, mais ça me fait rager. C'est pas censé voler. Vous avez vu le mal qu'on a à faire voler un robot qui ressemble à un avion et un cube vole. Allez comprendre. Ça me donne plus envie de jouer. Non, vas-y, arrête, ça me donne plus envie de jouer. Ne huile pas, ça me donne plus envie de jouer. Ah, c'est d'une violence.
Je suis encore malade aussi, ça fait chier ça aussi. Eh ouais, on se fait farmer. On se fait farmer par deux abrutis qui restent là à camper. Ouais, c'est la fête. C'est la fête. D'ailleurs, c'est pratique d'aller sur un truc en hauteur quand nous on peut pas voler. C'est extrêmement pratique. T'es pas sérieux, t'as pas que des heals. Je crois que t'as pas dû comprendre le principe des commandes des armes récentes, toi, 2003M. Mira, t'as un meilleur score que moi. Hein. Je pense à regarder le score de droite parce que sinon je me fais toujours avoir. Enfin bon. La fête. Regardez, je vais décoller et je vais me faire baiser. Parce qu'il a encore son canon, hein. Moi je lui ai envoyé 3 coups de méga plasma dans le nez, il a encore son canon. Moi je me prends un coup de DCA, je n'ai plus mon canon. Bah oui, c'est logique chers amis. Faudrait que j'aille voir la différence de PV entre ces deux armes. Qu'on rigole. Allez, moi je bois un coup chers amis, parce que là ça commence à me... Oui. Est-ce qu'ils l'ont eu avant? Oui, sûrement. Bon, tant pis. On n'a pas eu le temps de se rendre. Nous voulions garder la vie sauve. Ce fut un échec. Ce fut un échec. Bon! On va aller rigoler quand même 2 secondes, chers amis. On va aller rigoler ensemble. 2 secondes. Hardware. Au niveau des dégâts de cette... des points de vie de cette arme. 31 260. Au niveau des dégâts de cette... Oh la vache! Mais regardez-moi ça! 31 200 points de vie. 108 540 points de vie. Pour le même nombre de flops. Et le même prix. 1 100 000 près. Dégâts de cette arme. 39 000 par hit. Dégâts de cette arme. 31 000 par hit. Elle fait moins de dégâts, mais alors attends. Y'a pas un bonus de dégâts au niveau de l'explosion. Blast radius 25 mètres. 20 mètres. Et là où c'est débile, c'est que tu peux en mettre jusqu'à... Alors ça, tu peux en mettre jusqu'à 6, chers amis. Vous pouvez en mettre jusqu'à 6. Ce qui fait 1800 points, ce qui fait que sur un robot normal, vous ne pouvez pas en mettre. Là, on peut en mettre jusqu'à 4. 1200 points et là on peut mettre sur un, on peut en mettre 4 sur un repos normal. Génial. Ah, l'équilibrage du jeu. Quand on vous le met devant les yeux comme ça, c'est incroyable. C'est tout bonnement incroyable. Bon, et ben on va prendre un deuxième robot. Il y a toujours celui-là effectivement, ou celui-là, et je vais aller m'amuser avec celui-là. Donc vous voyez que j'ai rajouté les blades à l'avant. Faut juste que je fasse attention à ne pas trop vouloir les utiliser. Les blades, pardon, je me suis trompé, j'ai dû dire blaze. Oui, donc les blades à l'avant, faut juste que je pense à ne pas trop vouloir les utiliser en fait. Sur le principe, c'est-à-dire que si je veux les absolument les utiliser, je vais faire une connerie. Et si je fais une connerie, c'est pas bon, forcément. C'est le principe de la connerie. Donc bon, on se retrouve d'ici quelques secondes pour vous. En tout cas, dans quelques secondes pour la suite de l'épisode, simplement. Voilà, re, chers amis. Donc, on a plus le méga plasma à 31 000 points de vie. Hein, 108 000 points de vie. Non, mais attendez, c'est quoi ce foutage de gueule? C'est quoi ce foutage de gueule? Hop. On va aller par là. Par là, monsieur. Hop, et on descend. Donc oui, là, j'ai regardé, chers amis. Je me suis pas renseigné, mais j'ai pu faire quelques expériences, on va dire. Donc en fait, les hovers ralentissent mon robot. Parce que leur vitesse max, en fait, est une vitesse de frein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, en gros, dans la vraie vie, que si vous étiez à vélo avec une autre personne à vélo, si cette personne venait vous pousser dans le dos pour accélérer, bah vous freineriez. Vous imaginez la bêtise? Ces personnes vous pousseraient pour vous faire accélérer, mais en fait vous freineriez parce que vous seriez un frein. Vous ne seriez plus une vitesse, vous seriez un frein. C'est-à-dire qu'une vitesse normalement inférieure, quand quelqu'un vous... Par exemple, quand quelqu'un... Bah, simplement sur le principe. Si quelque chose avance à 100 km/h, quelqu'un veut quelque chose, va le pousser pour le monter à une vitesse de 110 km/h à l'arrière, et eh ben en fait, vous descendriez à 95 km/h. Elle est là la logique de Robocraft.
Aïe. Aïe. T'es pas sérieux. Ah, un gros goût puché à l'envers en plus. Hop. Oh, il avait plus d'armement. Ah si, il avait encore un proto-seeker. Dommage, dommage, dommage. Hop, on y retourne. Quoi? Oh non! Putain! Mais à quoi ça sert de rentrer dans une... Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il était AFK, le bonhomme. Oh non, 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 faut pas me le faire, ce coup-là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle, l'autre? Il me tire dessus. What? Monsieur Cancer, bah écoute, on va avoir des problèmes de... Hop les... Oh, on me l'a piqué. On me l'a piqué, chers amis. Bon. On va régénérer un petit coup, on va les attendre par là. On va attendre que l'autre y vienne. Et non, prends pas la tour, attends. Oh, il a volé. Mais non. Mais non, robot de merde. Robot de merde. C'est chiant, c'est chiant. C'est pas la première fois qu'il me fait ça. Des fois, enfin, des fois, vous allez peut-être le voir en même temps. C'est génial. C'est génial, des fois en fait, rien qu'en avançant, je sais pas pourquoi, pour une raison inconnue, il pique dans l'air. Pour une raison inconnue, en fait, les propulseurs à l'arrière s'élèvent. Et bah, il fait un. Comment, on va dire un salto avant, on va dire. J'ai pas encore compris pourquoi. Sachant qu'il est plus lourd à l'arrière qu'à l'avant, normalement, regardez bien. Hein. Il est forcément plus lourd à l'arrière qu'à l'avant. Mais il continue à vouloir piquer du nez, littéralement. Donc bon. Hop. Vas-y l'ami. Hop. Oh non, 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 faut pas exagérer non plus là. Hop. T'as pas un heal? Parce que là ça pue du cul littéralement. Oh la vache. Oh j'ai du bol. Oh j'ai du bol, oui vas-y. Vas-y monsieur Rail, attaque-toi à l'autre trou du cul. Non, recule. Recule. Oh bah tant pis, c'est pas grave. Vous l'avez eu, qu'est-ce qui... Ah putain d'abruti! Hop! Merde, il en a oublié de l'autre côté quand il a fait ça! Oh! Hop! On a plus qu'à attendre un petit peu. Ok, j'ai un bug au niveau d'une de mes... Regardez ça! Regardez ça! La catastrophe ce jeu! Regardez, j'en ai plus que deux qui s'ouvrent pour une raison complètement inconnue. Ah! Bon, c'est pas grave. J'en ai plus que deux qui s'ouvraient, non mais voilà autre chose maintenant. Le jeu m'invente des problèmes. Le jeu m'invente des problèmes, chers amis, c'est catastrophique.
c'est que cette arme. D'accord, c'est pas mal, c'est pas bête. À vrai dire, ça me plaît même beaucoup. Your bottom fusion tower is under attack. Ok. Le prochain robot sera un autre robot à chenilles, je pense. Hein. Spotted. Spotted. C'est-à-dire que je vais remodifier celui qu'on a déjà actuellement. Your bottom fusion tower is under attack. Alors vous allez voir, là par exemple, il va piquer du nez. Spotted. Ah non, je pensais qu'il allait faire. Il y a des endroits en fait comme s'il y avait des problèmes de chunk en fait dans le jeu, je vais dire. Spotted. Dire chunk. Your bottom fusion tower is under attack. Hop. Ok, c'est la chute. Spotted. Oh quoi? Quoi? C'est quoi ce bordel? Oh putain. Mais mettre ce genre de choses. Mais c'est d'une stupidité. Une stupidité sans nom, je précise. Voilà. Ça c'est pas grave. Je pensais qu'il m'aurait oublié, à vrai dire. Je pensais qu'il m'aurait oublié, mais bon, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ce truc? Je ne peux pas répliquer à ça. Je ne peux pas répliquer à ça. Allez, 11 secondes avant repop. C'est parti. Undakuva, the gaming alien. Alien, pardon. Alien Walker. Bref, référence à un manga. Manga qui a malheureusement dû être stoppé pour cause de maladie du mangaka. Il a eu une maladie, je sais plus si c'est une maladie ou il est rentré à l'hôpital pour un accident, je ne sais plus. Et là il retrouve à peine la capacité qu'il avait avant à écrire et à redessiner. Du coup il a repris le manga, ce qui est une bonne nouvelle, une excellente nouvelle même je dirais. Plus qu'à voir jusqu'où ça va nous mener. Hop, on peut le laisser hop faire comme ça. Spotted. Ok. Hop. Hop. Your middle fusion tower is under attack. Voilà, en douceur. J'ai pas réussi à le spotter, c'est dommage. Faudrait qu'eux ils se barrent en fait. Si eux ils se barraient, je pourrais m'approcher. Ah, il y en a un qui s'est barré. Spotted. Merde, il s'est juste mis sur la colline. L'autre qui tente des choses là-bas. Spotted. Spotted. Hop. Ah merde, j'ai été spotted. Il y en a un qui va arriver à tous les coups. Il y en a un qui va arriver. Spotted. Vu que j'ai toujours mes radars, c'est pratique. Hein. Sauf s'il a de quoi jammer. S'il a des radars jammer, c'est catastrophique. Oh merde! Allez, hop, on se barre. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ça reste au spawn. C'est saoulant. Honnêtement, il n'y a rien de plus saoulant que ça. Il
Il faudrait en fait que quand on rentre et qu'on ressort du spawn, il y ait un cooldown au moment où tu ressors. Genre pendant 10 secondes, t'es plus protégé. Ou t'as plus de heal. Par exemple. Ah, intéressant, ils sont pas à l'intérieur. Il y a Michael Tang. Aïe. Il a réussi à me mettre un coup avec un décalage. Hop, on peut se mettre par là. Peut m'aider. Excuse-moi, je suis un peu pas maniable. Merde, il est parti. C'est dommage. Ils vont essayer de nous prendre à revers. Je suis persuadé qu'ils vont essayer de faire ça. Hop. C'est marrant, il a réussi à descendre. Mais... oh la gueule! Oh, j'ai jamais vu une... je vais pas dire une puissance pareille, mais quand même. Vous m'avez compris. Hop, on va attendre ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Hop. On va se mettre là même maintenant. Il y en a sûrement un qui va arriver. Vous voyez, on les a sur le radar là déjà. Déjà ça. Me direz-vous. Hop. Il va se défoncer. Là, il y en a un qui arrive, mais je crois qu'il vole. Oh la vache. Ok, et de 1. Et de 2. Ah, ils l'ont eu, génial. Hop. Bon, on n'aura pas été extrêmement performant, mais je trouve qu'on aura bien utilisé nos armes. On les aura plutôt bien utilisées, je pense. Ok. Oui, 3000 points. Il y en a un qui fait 7000, il y en a un autre qui fait 6000, un autre qui fait 7600. On est encore loin du top score, hein, mais... mais bon. Bon, on se fait combien de points là-dessus? Un total de 2 millions 8 2 millions, ouais, j'ai pas vu si c'est 2 millions 8 vraiment. 2 millions 8 000 peut-être. 2 millions 83 682 points. Bah écoutez, c'est toujours ça de près. Eh bien les amis, on va se laisser sur ça pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérifier, le commenter, le partager, vous abonner. Partagez-vous et abonnez-vous. Ce sont deux excellents moyens que vous avez pour me faire connaître, les amis. Je vous en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous tiens au courant vis-à-vis de la tour. Hein, et je vous retrouve plus tard, ou peut-être aujourd'hui, peut-être demain, donc dans une nouvelle vidéo sur RoboCraft. Salut les gens.